Hier, la petite Aïcha m'a bouleversé. Le pire, c'est qu'ils sont plus d'un million d'enfants dans cette situation. C'est dans les zones les plus reculées qu'ils sont le plus touchés. Et c'est là que l'action de solidarité internationale prend tout son sens. Aujourd'hui, nous devions partir en hélico pour Dikwa. Mais malheureusement, le vol est annulé. Je sais pas si on peut le voir, mais le ciel est quand même... c'est super sombre. Mmh. Il est plein de sable. C'est ce qu'on appelle l'harmattan. L'harmattan, c'est un gros vent chargé de sable qui réduit la visibilité. Donc pour éviter d'avoir des accidents, des incidents, ce genre de choses, ils annulent les vols. L'hélicoptère était le seul moyen pour se rendre dans les zones reculées. Parce que la route est trop dangereuse à cause des conflits et des attaques suicides. C'est le quotidien ici. Hier soir, il y a eu des attentats à l'est de Maïdougouri. Thibaut va faire une évaluation de la situation dans les zones touchées pour voir si les équipes de solidarité internationale peuvent continuer à y travailler. Il accepte que nous l'accompagnions. Quatre explosions, comme je te le disais, vers 9h. Il y a eu deux explosions au départ près d'une maison. Il y a une femme qui est rentrée dans une maison pour se faire exploser. La deuxième, peu de temps après, pas loin de cette maison. Et après les deux autres, c'était des positions militaires qui étaient ciblées. D'accord. Donc il y a eu un mort et 13 blessés, plus bien sûr les quatre femmes kamikazes. Et ça reflète bien en fait les targets des AOG, quoi. Ouais. Et la population civile. Ouais. Et les forces de sécurité, les autorités, l'État. Ouais. AOG, ça veut dire Armed Opposition Group. Okay. En fait, c'est ce que nous on appelle, dans les médias, etc., Boko Haram, mais c'est un peu plus compliqué. Mais c'est plus compliqué, c'est vrai. Il y a des factions, etc., c'est pas forcément les mêmes. Donc Boko Haram, c'est un peu trop synthétique. Ouais. Donc nous on parle d'AOG. La guerre ici dure depuis trop longtemps et les violences sont quotidiennes. Les habitants ne pourront jamais s'habituer, mais ils vivent avec. How do you live with that danger every time? Just it is far away from us now. Yeah. Yes. So we are just hearing the bomb, the hitting where it's flowing, but we don't know actually how these things will be now. Là, on aura la paix. Face à la situation, les habitants s'organisent comme ils peuvent. Mais tout le monde est dépassé et démuni ici, à l'image de ce fusil tenu par trois anciens fermiers. This only our gun. It's only one shoot. One. When you shoot at once, you go hide again. Et ce qui m'a choqué, c'est ce fusil. Il n'y a qu'une seule balle. Il m'expliquait que voilà, tu tires une fois et après tu recharges. Et c'est ça que tu utilises pour te défendre contre Boko Haram. Vous ne l'avez pas vu jusqu'ici, mais depuis le début de ma visite, j'ai passé énormément de temps avec eux. Eux, ce sont les membres de Solidarité Internationale. Demain, je vous les présente. Allez, ciao !